Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un truc qui va vous faire super plaisir. Et ça je le sais, c'est obligatoire. Normalement c'est notre rendez-vous hebdomadaire. Mais je crois que j'ai fait un truc de travers ces derniers temps, il n'en a plus trop. Bon, en même temps faut m'excuser, je travaille beaucoup plus sur les lives. On a pas mal de compétitions et tout simplement je vous ai proposé un tas d'autres vidéos ces derniers temps. Mais cette fois-ci, il est bien là, c'est le clip des abonnés. Et j'espère qu'aujourd'hui vous allez vraiment nous régaler. Donc je vais réexpliquer juste en deux spies ce que c'est le clip des abonnés. Comme d'hab, il y a une adresse email qui est dans la description de toutes mes vidéos, thewhiteshark67@gmail.com. Et à cette adresse-là, vous pouvez m'envoyer vos meilleurs clips, ce que vous avez fait de fabuleux sur tout type de jeu. Bien sûr, toujours dans le domaine du FPS, TPS, shooter. Peu importe le jeu, ça sert à rien de demander. Envoyez-moi vos machines et puis on regardera ça ensemble de temps en temps dès que j'ai l'occasion d'en faire un. Comme là aujourd'hui, je vous propose d'entamer cette vidéo de suite. Alors à ce qui paraît, c'est un petit clip 1v5 lésion. Il commence tout de suite. Il enquille la hache. J'ai même pas dit sur quelle map on était. On est sur Skycrappers évidemment. Voilà le lésion qui monte au niveau de l'exhibition. Qu'est-ce qui va se passer? Il prend le deuxième contact. Le sledge qui explose, qui meurt. Et là maintenant, c'est prise d'information. On est en train de checker entre les deux BP, on regarde un petit peu ce qui se passe vite fait, on enquille, on rentre sur le B, on a entendu un bruit de barbelé derrière soi, on prend une information à la fenêtre, évidemment est-ce qu'il va tomber, je ne sais pas, non j'ai pas l'impression, mais en même temps on se fait engager dans le dos, la plante elle est faite, donc on sait qu'il y en a deux sur BP et un à l'extérieur fenêtre, une grenade qui est partie, qui a peut-être TK un camarade, je ne sais pas, la prise de contact sur le BP A qui est concluante, la flash de Ying qui pète, il arrive à tuer quelqu'un dans la flash, c'est assez extraordinaire comme move, il a réussi à le faire, félicitations. Fake diffuse, non, pas fake diffuse, en tout cas, si, fake diffuse, l'autre il est engagé encore avec son lésion, il l'a pas vu, tente le cut, le deuxième cut qui passe pas, finalement on l'achève, et on prend le diffuseur. Allez vas-y souffle. Exprime un peu ta joie. Bon, c'est toujours sympa d'avoir des gens qui communiquent par onomatopée, qui font des bruits bizarres, A-E-I-O-U-Y. Bon, c'était un beau clip, c'était plutôt intelligemment joué, j'ai pas trop grand chose à dire dessus parce que c'était vraiment joli et sympa à regarder quand même. Bon, ça fait bien plaisir quand même, hein. Toujours un petit 1v5 comme ça, des familles vraiment bien réussies, sécures. Et là, c'était pour le coup, c'était vraiment 1v5, hein. Parce que bon, moi, en ce moment, ces derniers temps, on me reprend un peu sur les vidéos que je fais. Ouais, c'est pas trop des 1v5 ce que tu fais et tout, machin, patin coup fin. Bon. Là on a un B5 de qualité, alors détendez-vous direct. C'est parti, deuxième petit clip, on est actuellement sur Oregon, l'une de mes cartes préférées, et on a une hache qui rush du côté construction, qui prend le contact bleu, qui check derrière la bidon, il y a personne, quelqu'un, on prend le contact, très bien, le reflex shot qui prend, l'autre il a dû se dire, je vais lui faire un coup de pute, je vais l'entailler dans le dos, mais pas du tout. On entend une Mira qui est passée autoroute, qui revient dans le bac, le reflex headshot, drop shot, magnifique, un deuxième drop shot qui passe, mais cette fois-ci pas en HS, et là maintenant c'est prise d'information, doucement, va moins vite, ralenti, regarde autour de toi, ne panique pas, il y a personne sur BP, c'est pas contesté. On prend l'info dans les escaliers, on voit qu'il y a les collègues au-dessus au niveau du lobby et drapeau américain, très bien. On prend le dernier contact derrière, impeccable, ça fait déjà le quatrième. Où se cache le dernier? Et non, ça sécurise de toute façon. 19-4 pour le camarade, 19-4 pour MacLeco. Excellent, excellent. Bon, c'était un petit peu hasardeux, ça s'est fait hyper vite. Il est arrivé, il a rushé, il a pas trop compris ce qu'il a fait, il a mal pris ses infos. Mais il a très bien rattrapé son petit coup. Et on voit très bien qu'il est au point, à peu près en tout cas, sur son shoot. Parce qu'il y a quand même, des petites erreurs comparées aux lésions qu'on a vues tout à l'heure. Mais à côté de ça, il y a la technique qui a repris le dessus. Donc par exemple, le petit coup des drop shot et tout, bon ça équilibre pas mal, c'était vraiment intéressant, peut-être un peu rapide sur la prise d'information BP, mais c'était un clip vraiment très sympathique, bravo camarade, tu as mérité cette petite moins 4 en full rush, c'était vraiment sympa, voilà une hache qui est rentable pour le coup. Troisième clip, on est sur Café Dostoevsky avec un petit bug au DMR, c'est assez atypique. On a une fenêtre qui s'est ouverte côté sud, au niveau du piano, qu'est-ce qui se passe? Il coupe légèrement sa grenade, il l'envoie, et putain ça rentre! Magnifique grenade de la part de notre petit Buck, le clip il s'arrête là-dessus, on va se la repasser. On voit ici le Buck qui arrive au niveau du mur sud, il a entendu une fenêtre cassée, il prend l'info, il regarde, qu'est-ce qui se passe, machin, ok, il prend la grenade, il y a juste un barreau qui est ouvert en plus, et elle rentre dedans, bum, nickel. Magnifique, c'est vraiment une grenade qui est très propre, c'est super sympathique. Et là pour le coup, on appelle ça une Kobe Bryant à cause du lancer un petit peu type basketball, vraiment super sympa. Quatrième clip sur Clubhouse avec Pulse qui se retrouve en situation de 1v4, 3 secondes avant la fin, qui rentre direct dans le tas, qui fait déjà tomber deux personnes, qui comprend pas trop ce qui se passe. La troisième qui tombe, il prend l'info sur la quatrième, il arrive à tomber tout le monde. Magnifique, excellent,
excellent, excellent, excellent. Putain, mec, c'était waouh, Crazy Blue en plus. J'avais même pas vu, c'est Crazy qui m'a envoyé le clip. Excellent, on va se la refaire avec un peu de son cette fois-ci. Là, on le voit, il se retrouve en situation de 1v4. Il rentre, il prend l'info et là ils sont tous dans le tas et les mecs ont pas trop capté ce qui se passait. Il y en a deux qui tombent, il décale derrière le matelas pour se protéger un minimum. Très intelligent comme move et il arrive à faire tomber tout le monde, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment magnifique et là-dessus, je sais pas, c'est un mélange de chance, de timing, de... un petit mélange de tout. C'est un petit mélange de tout qui a fait que sur le coup on s'est retrouvé dans une action qui était totalement à notre avantage. Un contrôle du shoot qui était plutôt sympathique. Même il a pas trop paniqué parce que ça se voyait, bah, il y avait un petit peu de panique quand même. Il s'est inséré tranquille, il a fait son boulot, il a nettoyé sa pièce au calme, tout seul. Excellent, il s'est gavé, ça fait une moins 4 qui tombe dans le bec. Bon voilà, on va pas cracher dessus hein. C'était une belle petite action, je suis très fier de toi, cher modérateur Crazy Blue, c'est un plaisir que de vous voir ici. Et vous savez quoi, vous allez peut-être pas me croire, mais en fait, moi je regarde pas le pseudo des mails au début. Moi je prends juste l'intitulé du titre, je clique dessus, je télécharge, boum, tant que c'est en ranked, tant que c'est voilà un petit clip sympa, je clique dessus, je télécharge, je les prends vraiment au hasard. Et de voir un petit peu mon là Crazy Blue, mon modo dedans, c'était pas mal. On avait déjà vu Boulesto une fois passer dedans, c'était sympa. 1v5 sur la map. Sur la map border. Et le temps que je fasse l'annonce, le premier kill est déjà sorti. Alors on prend déjà l'information sur le deuxième. Ça rush de ouf. On entend la fenêtre qui a pété à droite. Il se déporte légèrement, il arrive à... Ouh, le contrôle du recul, c'est pas encore ça mon pote. Oh, le troisième, le quatrième, oh là là. Reste plus qu'un, vous êtes trop greedy les gars. 5v1, il en reste plus qu'un seul. Le dernier, il se décale légèrement et il arrive à le sortir. Ah, on va remettre un peu les choses dans le contexte. Déjà, tu vois, je savais pas que le jeu était autorisé à la vente au moins de 12 ans. Ça va, je taquine, je troll, je taunte un petit peu, y a pas de problème. À côté de ça, c'était une très très belle action. Bon, un peu bizarre parce que du coup, les mecs, c'est vraiment des totos en face dans le sens où... Et c'est pas pour critiquer le gameplay de Guts Never Die, qui a très bien joué son truc. C'est vraiment pour critiquer le gameplay des mecs en face. Il s'est passé la situation type d'un 5v1. Tout le monde prend la confiance, il en reste qu'un seul en face, on va lui détruire les fesses, on sort, on le rush, bam, on le prend en sandwich, et là en fait, enchaînement d'erreurs, bam bam bam, ça sort, et au final on se rend compte qu'on est en 1v1 et on a un mec qui se retrouve comme un toto à tenir une ligne et qui se fait sortir aussi. Restez tranquille, 5v1, faut que ça reste en 5v1, on termine la manche, c'est à lui de rentrer, pas à vous de sortir, tranquille. Yes, je suis content les gars. On a enfin un clip PC. Ouh, le premier kill sur consulat de notre Ray Cost qui va prendre l'information au niveau du main tranquillement avec un sledge. Visiblement aucun droning. C'est un clip niveau platine 3. Il l'a bien précisé dans sa vidéo. Je suis allé voir tout à l'heure. Il prend l'info au niveau du main. Il prend l'information au niveau des toilettes. Qu'est-ce qui se passe? On reste quand même très sécure en délaissant complètement le main. La Valkyrie, la Revenge qui tombe très bien. Par contre, on a vu que c'est une UMP qui l'a tué. Donc il y en a un deuxième au niveau du piano peut-être. Contact. Il lance sa grenade. Ça va faire sortir le mec. Il va devoir se décaler. Il ne sort pas. Et au final, il tombe de la grenade. C'est un peu con. Coup de marteau. T'as été puni parce que t'as été stupide. Tu joues comme un bobé. T'es puni comme un bobé. Voilà. Et au final, on continue à enquiller un petit peu. Alors qu'est-ce qui se passe? On prend les infos au niveau du couloir ouest. On monte dans les escaliers jaunes. Le BP étant en haut. Ouh, la vidéo saccade un petit peu là. C'est étrange. On prend les informations au niveau de l'escalier jaune. Est-ce que ça... Oui, ça tape les barbels, tranquille. Ça dégage un petit peu. Le camarade qui rentre au niveau du BPB, qui prend les informations, il ralentit un petit peu. Il arrive à nous sortir le doc. Très très bien. Et le dernier, où est le dernier? Est-ce que tu as eu l'information ou pas? Où est le dernier? Visiblement, il décide de se déplacer vers A. Peut-être qu'il est du côté administration ou derrière la Mira. Il se déplace boisson. Il se déplace dans le stock. Très bien. Il l'a pas sorti. Team, bro. What? Nice. Voilà. Nice. Et une superbe full team pour un 11 kills, je crois que j'ai vu dans le tableau de score. Félicitations, très grosse action, Mr. Ray, très calme, posé, t'as fait les bonnes choses, t'as pris les bonnes décisions, le shoot est plutôt bon. Il y a vraiment rien à dire et à commenter là-dessus, à rajouter ou à faire le malin. C'était propre de ouf. On est parti pour une dernière petite vidéo, on est sur canal avec un Twitch qui met déjà un travers en wallbang au niveau serveur. Très bien, excellent.
Petite coupure, il prend l'info au niveau du toit brun, reflex shot. Oh, joli! Le petit écho qui est sorti balcon qui s'est fait reflex shot. On continue à avancer et à progresser dans la partie au niveau du serveur. Il en reste 3 en face pour 2 camarades de notre côté. Sachant que les 3 premiers kills ont été de notre camarade qui finit encore une fois par entamer le mute. Il ne reste plus que 2 OP. La Valkyrie qui remonte le dernier. On a l'information pistolet en one shot! Excellent! On finit sur un clip très très costaud. Hyper costaud. Ce dernier clip était vraiment très beau et c'était... c'est vraiment bien joué. C'est là où on voit que il y a certains joueurs de la communauté qui font vraiment des beaux trucs et je trouve que ce concept là que j'ai mis au point il y a maintenant un super long moment, je trouve que c'est vraiment sympa parce qu'on voit vraiment ce que certains des abonnés sont capables de faire et ça me fait très plaisir de pouvoir partager un petit peu leur action avec vous. Ça leur permet d'avoir un petit peu de visibilité, c'est toujours cool, rester dans l'esprit un petit peu famille, partage, entraide. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme dit, je pense que vous l'avez remarqué, c'est la fin, donc n'hésitez pas à mettre un énorme pouce. Je viens de me mordre, mon gars. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu en bas de cette vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si ça vous a plu. Comme d'habitude, donnez-moi l'occasion de lire un petit peu vos commentaires et vos avis. J'aime toujours avoir un retour et je lis tous vos commentaires, même si j'ai pas la chance de pouvoir répondre à tout le monde. En ce moment, il y a vraiment beaucoup de commentaires et je trouve que j'ai pas assez de doigts pour répondre à tout le monde. Et de toute façon, ça prend trop de temps. Mais voilà, c'est toujours un réel plaisir que de pouvoir passer un peu de temps à discuter avec vous, partager vos trucs, etc. Les gars, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Peace.